Tout le plaisir est pour nous aujourd'hui au gouvernorat de Sikasso de vous recevoir avec les gens qui vous accompagnent pour annoncer l'arrivée de notre grand imam. Donc cela nous va droit au cœur et ça nous fait vraiment plaisir. Donc comme c'est à l'occasion du Mauloud, le Mauloud est un mois sacré, venir pour faire vraiment des prêches, des bénédictions est une très bonne chose. Donc, en tant que chef de l'autorité régionale, je ne peux que me réjouir de cette venue et de la considération que cela porte pour la ville de Sikasso et lui souhaiter la bienvenue à l'avance avant son venue. Souhaiter que toutes les bénédictions qui vont être faites, toutes les prêches qui vont être faites, vont vraiment aller à l'endroit, non seulement d'amener la sécurité et la paix dans notre pays, la réconciliation des cœurs, des esprits, mais également demander au bon Dieu qui nous aide, nous administration, en tout cas l'ensemble du pays, par rapport aux élections qui vont se tenir tout au long de l'année 2020, plus spécifiquement, on doit commencer sous peu de temps avec les élections législatives. Et également le problème de l'éducation également, que les prières soient faites dans ce sens pour que nos enfants puissent étudier et aller à l'école. Donc voilà un peu, grosso modo, en tout cas notre vœu et notre souhait. Et nous prions que le séjour se passe très bien, qu'à la fin de la mission, il retourne vraiment en très bonne santé avec l'ensemble de sa délégation à Bamako.